Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans le système de récupération des eaux de la capitale ukrainienne. Je rejoins Sol, un ami de très longue date que j'ai connu à Tchernobyl, que j'ai revu il y a 2 ans pour le tournage d'Explore avec Hitler 2. Après s'être équipé de cuissardes vieilles de la guerre froide qu'on a récupéré dans un bunker un peu plus tôt, je vous propose du coup une exploration en immersion totale, vachement bruyante, donc j'espère que ça va pas trop être dérangeant. Et on se retrouve directement sous terre. Le plastique. Ça nous toujours dans des endroits improbables. Oh. On va pas trop y récupérer. Hein. Take some skates or something with ropes. Just a little bit of this column. Yeah, for sure. Because it has some angle down. Okay. It should be easy. Yes. Let me move the technique. Oh, regarde moi ce que je fais. It's a new tool. Last time, yes, it's really new. I was there very old. Maybe because it's a beauty construction. Yeah. On arrive à un point un peu plus critique de l'exploration après avoir pu rediscuter un petit peu comme deux vieux potes qui se sont pas vus depuis très longtemps. On arrive à un moment avec un obstacle un peu compliqué. Du coup, place à la concentration et à la coopération pour franchir l'obstacle qui se dresse devant nous. On a avancé là, vous avez vu. J'espère que ça vous plaît, en tout cas, c'est un petit peu un truc immersif. Parce que je parle pas trop, il y a beaucoup de bruit, c'est un peu la merde. Donc là, je vais rejoindre Sol, je vais laisser partir depuis 10 minutes. Allez, on le rejoint, j'espère que vous kiffez en fait toute petite expo, parce que moi je découvre tout autant que vous. Il y a un gros arbre. On est toujours en train d'avancer sans que je sache vraiment la destination. I tried to go to underground here, but to an old one. And try to find some old coins or stuff, you know, old iron things. Yes. And find a gun. Really? Yeah, a pistol from World War II. Yeah! The very interesting. The German one. En gros, ce qu'il est en train de me dire, c'est qu'il y a des drain systems plus vieux, plus propres, et dans un des plus anciens, il a réussi à trouver quand même un truc assez ouf. C'est des guns de la Seconde Guerre mondiale, donc des guns allemands. Enfin, je trouve qu'en Ukraine, il y a plein de trucs cachés, tu peux toujours tomber sur des trucs. Donc c'est quand même hyper intéressant de pouvoir discuter avec Sol là-dessus. Ah, c'est pas facile, hein. Ah, ok. Oh.
On sent qu'il est passionné, il regarde tout le temps et tout. Je sens qu'il est déjà venu plein de fois, mais il adore ça. Ça vient chez lui. Quelqu'un de déter. On arrive après une heure et demie, un peu plus, au centre de cette exploration. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais fait des recherches et j'avais vu une photo qui m'avait plutôt titillé le regard et titillé la curiosité. Et je voulais du coup aller voir cet endroit. Donc je vous laisse un peu le découvrir avec moi rapidement parce que le froid se faisait vraiment ressentir. Et si vous voulez voir la photo, bien sûr, elle est sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et en plus, vous aurez des stories en avant-première lors des tournages. Allez, je vous laisse avec ce petit moment et après, on se retrouve tout de suite. Bon bah du coup on a la fameuse place que je cherchais. Ça ressemble un peu au film Alien comme du sol. Donc voilà, allez, on y va, on prend la route. Je vous avais dit que c'était plutôt court, donc maintenant direction la sortie. Du coup, on va passer par un conduit qui est bien plus vieux et bien plus grand que le premier, que la première partie de l'exploration. C'est quand même assez ouf. Ben après, il faut savoir qu'on a le même système à Paris, enfin un système assez similaire. Donc si vous voulez que j'aille en faire une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous montrerai tout ça. Allez, maintenant je vous laisse avec un enchaînement de petites galères, c'était assez ouf. Ça a pris bien 2 heures pour sortir de là. Regardez-moi ce symbole. Il est en train de me dire que ça sort dans le niveau. Le niveau, c'est le fleuve actuel. C'est assez ouf quand même de dire ça. Hop là. Oh. Il a cassé les chaînes. Ok. Elles sont tellement petites là. On a bien dû faire une trentaine de passages vraiment avec cette cuve là remplie d'eau, tout aussi différentes les unes que les autres au final. Et Sol m'avait bien prévenu, don't fall, parce qu'en fait il peut y avoir des barres en métal et te défoncer si tu tombes. Donc c'est vrai que les échelles là, elles rassuraient pas du tout. You think? Yeah, here is very detailed. Bah, ça pue un peu la merde. Hein. Yes? Ok. Oh! Look! Yeah, I broke. Sorry. Possible to use a board. But, yeah. But I don't have now. I don't want to swim. Yeah, but I think it's very interesting to use the board here and to go out to deeper. Yes. On s'enfonce de plus en plus. Hein. The water is quite cold now. Yeah, it's very cold. On est au mois de mars, début mars. Donc il fait pas très chaud. Ah là il y en a un. Oh, look! I taste the fish. Yeah.
C'est vraiment froid les gens, vous avez pas idée. On voit la sortie. Il se dit. Ok. Il se dit tout. Look. Sol. And here. Oh, maybe, but it's ghost territory. But we can try. They don't want to go back. Yes, me too. Yes. Voilà, on voit la sortie, mais on est bloqué. C'est quand même assez malheureux. Comme vous pouvez le voir, on a réussi à trouver potentiellement une sortie. Et il faut savoir que j'ai eu un problème de rec. Mais c'est pas très grave, je vais quand même vous raconter. On est sorti par la plaque entre deux voitures. Et il y avait des niches de chiens. Sol a pris un spray là, au cas où. Mais au final, on a été pas mal discret. On a réussi à s'évader tranquillement du territoire en escaladant la palissade, en marchant en équilibre. Hop, 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 hop. Il m'a fait bien rire parce que vu qu'il a vu que ça apparaît, qu'il a même voulu le refaire. Mais bon, on ne prend pas de risque. Ça sert à rien de se faire attaquer par des chiens gratos comme ça en essayant de vouloir tourner un plan. Je vous invite du coup à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas de la vidéo, à lâcher un énorme pouce bleu et à activer la cloche parce que c'est ça qui va vous tenir au courant des prochaines vidéos, surtout celles en Ukraine. Donc voilà, et n'hésite pas à me dire en commentaire si t'avais pas l'impression d'être sous une douche pendant plus de 10 minutes de vidéo parce que clairement, je suis désolé pour ça, mais c'était infâme. Allez, ciao tout le monde. On a réussi. Hop là, on voit la sortie du territoire là-bas.